Yo 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 les gars, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super, j'ai la patate comme toujours les amis. Et aujourd'hui on se retrouve sur tan 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 tan. Et oui les gars, Star Wars Battlefront sur PS4 les gars, édition limitée en plus. J'ai le collector les gars, je l'ai acheté, voilà, enfin. Il est sorti il y a une semaine il me semble, une semaine, plus d'une semaine et demie même, bientôt 2 semaines. Voilà, je l'ai enfin. Et on va le découvrir ensemble, voilà, on va faire une vidéo découverte et on aura plein de vidéos à faire sur Battlefront de façon. Et les gars, on commence tout de suite, rejoignez le côté obscur, éliminez autant de sales rebelles que possible pendant l'installation de Battlefront pour commencer la mission. C'est parti les gars, et j'ai hâte de jouer à ce jeu, j'adore ce jeu. Et là je suis avec Darth Vader les gars, en force rebelle, on approche. On va pouvoir tester ça, observer les agents. Ça c'est mes potes. Ouais, je suis bloqué. C'est inutile de résister. Sabre laser R2. Hop là, je l'ai écrabouillax. Votre futile rébellion est vouée à l'échec. Bon, ils sont où ces rebelles? Bon, on est là, on attend. Hein. Pour l'instant, c'est l'ennui total. Renfort rebelle, on approche, les gars. Peut-être, est-ce que je peux détruire ça? On peut pas voir ma tête, ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est un petit entraînement, de toute façon, c'est un petit jeu. En attendant le vrai jeu. On va juste terminer le niveau et on pourra jouer. Le jeu a été installax. Voilà. Ça c'est fax. Et puis voilà les gars. Bon, on est parti pour le jeu. C'est chaud patate. Ça m'a déjà ambiancé. J'en ai l'eau à la bouche les gars. Star Wars, que la force soit avec nous les gars pendant la durée de cette découverte. Star Wars Battlefront. Ça ambiance de fou malade. Donc voilà les gars, on est enfin sur le vrai jeu. Je vous avais fait quelques vidéos sur la bêta, mais maintenant c'est officiel. 6-3-PO et enfin R2-D2 est là pour nous dire bonjour les gars. Et on va commencer tout de suite. Donc le contrat, ça j'accepte, j'ai lu. Profitez au maximum de l'expérience de Star Wars Battlefront avec l'aide de camp. Star Wars Battlefront, ok, il y a des applications tablettes et iPhone. L'aide vous permet de jouer au jeu de cartes stratégiques. Ok, c'est noté. Dictatiel, droïde sonde, c'est parti. Éliminer les droïdes sonde, vipère sur hot et apprenez les bases du jeu. Bon, je pense que je vais pas faire ça quand même. Je vais pas vous montrer les bases du jeu, vous pouvez le faire tout seul de toute façon.
Donc on va refuser, on le fera tout seul. On va découvrir un peu comment se présente ce menu. Alors il y a un mode multijoueur, déjà on peut le voir. Il y a mission, il y a DLC gratuit. Allez combattre sur Jakuna en décembre. Donc en décembre il y aura une première carte qui va arriver, sûrement pour la sortie du jeu, car Jakku, il me semble, c'est une des planètes qui ira justement dans le dernier Star Wars qui va sortir le 12 décembre, il me semble, ou 13 décembre en avant-première en France en plus. Donc ça vaut vraiment le coup, les gars. Il y a les collections, du coup, les cartes à déverrouiller, tout ça. Voilà, ça se présente comme ça. Tout déverrouillé, les blasters, toutes les sortes de blasters qu'il y a. L'apparence, les cartes à étoiles, diaporama. Ça doit être les fonds, ça. Je clique pour découvrir en même temps. Donc voilà, les gars. Ah, c'est dur quand on vient de découvrir un jeu, c'est sûr. Je pense qu'on va se faire une petite mission multijoueur pour commencer, de toute façon. Bienvenue dans votre diaporama. Collectionnez toutes les figurines pour que... Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour collectionner toutes les figurines. On va revenir sur le menu principal. Nanana. Ah là là, Star Wars. Alors, start... stats, excusez-moi. Donc ça, c'est le rang aide de camp. Du coup, ça, c'est ce qu'il nous disait. L'application, les gars... Passe saison, donc ça c'est obtenir un passe saison pour toute l'année avec 4 packs d'extension, un nouveau lieu, accès à un anticipé et mot exclusif. D'accord, bon, ça on les prendra de toute façon. Les paramètres, paratrack commande, je vais régler tout ça de façon. Jouabilité pareil, générique, continué, audio, vidéo. Je vais voir si je peux vous mettre les sous-titres. Sous-titres, oui, langue française, sous-titres, oui. Champ large, moyen, champ étroit, Le reste qu'on réglera, de toute façon, il n'y a pas de souci, je vous dirai mes paramètres. Bah les gars, on va commencer tout de suite, on va pas faire de mission, on va faire un petit 10 multijoueur, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose en multijoueur. Alors en multijoueur, on a jeu principal, plus la bataille de Jakku qui n'est toujours pas là pour l'instant, comme je vous l'ai dit. Alors on peut voir que les définies de valeur, il y a beaucoup de choses, hein. Zone de largage, je crois que cela y avait dans la bêta, zone de largage. Escadron de chasseurs, il n'y avait pas embarqué dans votre chasseur stellaire et dominer les cieux, donc ça c'est pour jouer en l'air. Plaque tournante, contenu non installé, il faut que je l'installe, ok. Suprématie, chasser l'ennemi de la planète dans une bataille acharnée, d'accord. Attaque de marcheurs, ça on l'a déjà fait pendant la bêta. Escadron de chasseurs, donc c'est ce qui est ici. Escarmouche, battez les plus d'ennemis que le camp adversaire. Escargaison, dérober la marchandise ennemie, c'est pas mal ça. Zone de largage, du coup. Affronter héroïque. Affrontement par manche ou héros et infanterie. Ok. Traquer héros. Incarner un héros solitaire contre une escouade d'ennemis. Capturer, protéger 3 droïdes mobilisés. Et plaque tournante contenu non installé. Donc pour le reste, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vous installerai tout ça, les gars. Donc là, on va prendre une escadron de chasseurs. Vous savez quoi? On va vous faire une. Peu, on va vous faire ça, voilà. On va aller se battre dans les airs, les gars. On va voir l'univers de Star Wars dans les airs, dans les étoiles, avec le Foco Millennium, on l'espère, les gars. Donc voilà, petite bataille tranquillement. Montez les informations des joueurs. Bon, ça vous connaissez. Tatata, et on va commencer tout de suite. On va voir comment ça se présente. À la bouche, escadron de chasseurs. Tout va se passer dans les étoiles. Des chasseurs stellaires, rebelles et impérieux s'affrontent pour le contrôle des cieux. Les camps qui abattent le plus d'ennemis ainsi que de vaisseaux de transport en train de s'enfuir l'emporte. Ok, ok, c'est noté. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur cette map déjà pour commencer. Du coup, j'ai pas trop le choix. De toute façon, tout est débloqué. Il va falloir que je le débloque. Donc pour l'instant, on va laisser normal. Top là, rien cavaille. Allez, ouais, c'est comme ça. Allez, hop là. J'ai rien d'autre de toute façon. Allez, c'est parti. Appuyez pour rejoindre. Allez, on va commencer comme ça. De toute façon, je développerai tout. Je vous expliquerai tout. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça. Escadron de chasseurs, c'est parti, les gars. Et donc, ça va être une grosse bataille. J'ai le choix interstitiaire, chasseur tiré. On va prendre un tiré, chasseur. Allez, c'est parti, les gars. Grosse bataille en perspective. Les chasseurs rebelles arrivent. Détruisez-les tous. Protégez les transporteurs impériaux en train de fuir la planète. Alors,
là, ça c'est pour mes bébés ski. Ok, ça c'est cool. Wow, 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 je me fais canarder. Je vais esquiver en tout cas. Il est avec moi. Il est pas avec moi. C'est le feu dans cette planète. Ah ouais. Hop là. Ça c'est pour Veski du coup. J'ai été touché. Ce qui serait bien c'est que j'abatte un ennemi. J'ai mes deux trucs. Veski. Ah, tu es paré. Oui, mais je me suis fait tuer, les gars. C'est très très chaud à manier tout ça. On va essayer avec l'Interster. On va voir plutôt comment ça se débrouille. Du coup, c'est des parties de 5 minutes. Qu'est-ce que je vois? William. Ah ouais. Il y en a, il est devenu une faucon millénaire, mais il n'a pas notre temps. Défendre. Ok, donc ça c'est pour venir en avant. Ça c'est vue intérieure. Allez, j'arrive pas à viser. Allez, 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 on va essayer de se concentrer. Tout, 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 tout. Voilà, c'est ça qu'il faut défendre, les gars. Conavette, le transport a subi des dommages critiques. Ici l'ennemi, il se rapproche vite. Du coup, L1, R1 pour les coups spéciaux, il me semble. Donc, il y en a un, c'est pour accélérer, L1. Et R1, c'est pour les missiles. Voilà, c'est tout. Ah, je me suis fait tuer. C'est assez dur à manier, franchement. Faut le dire. On va reprendre les chasseurs. J'étais pas mal avec le chasseur, je trouve. Allez, allez, on va essayer de se concentrer. Je vais pas le lâcher, lui. Il y a Millennium qui vient de passer à côté de moi, le petit faucon. Avec Yann Solo à l'intérieur. J'ai encore mort. Hein. J'ai quand même. Bien, j'ai tué personne, je suis mort deux fois, hein. Faut le dire. Allez, 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 allez. Rebelle en approche. Affirmatif, chasseur de soutien en approche. Il va falloir défendre ce chasseur là. Ah, ils nous ont détruit un truc. Pour l'instant, c'est nous qui gagnons pour l'instant. Hop là, on va revenir en arrière. Ça, je viens de capter. C'est les flèches. Allez, je le lâche pas, je le lâche pas, j'ai les crocs, j'ai les crocs. Veski là. Ah, c'est le faucon Millennium. Big Dog, le mec qui se bute, Big Dog. Le premier défaite. Bon bah voilà les gars, désolé. Ça va jusqu'à 200 les parties. C'était assez compliqué à manier. Je vous cache pas que je vais m'entraîner pour la prochaine fois. Parce que là, ça craint un peu. On va faire une partie toute simple. C'est simple pour finir. On se retrouve pour une partie toute simple. Je pense. Sur une planète, j'espère, que nous n'avons pas encore découvert. Au moins, j'augmente mon rang. Bonus de partie comme d'hab. Ça, vous l'avez vu de façon dans la démo, la bêta. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle partie.
désert de Juneland, capturez le point de contrôle ennemi pour les repousser, empêchez la capture de votre propre point de contrôle, capturez tous les points de contrôle pour gagner la partie. Bah c'est parti les gars, hein. Allez, 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 on va essayer de s'éclataxe. Allez, hop. C'est bon, 1-1. Allez. Je comprends pas, j'apparais avec les clones, ça c'est plutôt relou. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de recharger. Il faut juste pas faire surchauffer l'arme, en fait. Grenade. Ah, il nous fait exploser. On a fait du 2-2 pour l'instant. Plus trop tranquillement. J'ai pas de truc pour sauter pour l'instant. Ça, c'est assez relou. Je sais pas si je m'éloigne, là. Je sais pas, la carte, elle va jusqu'à où. Au moins, on a notre petite grenade. Ça, c'est cool. On va essayer d'aller au point de capture. Oh, y a un petit truc, là. Le commandant Skywalker est arrivé. Ouais, ils m'ont fumax. Bon, il y a Skywalker qui arrive, les gars. Il va falloir faire super attention. Et je viens d'arriver. Sois gentil. On est en train de perdre un point de contrôle. En même temps, on se fait ramasser la tronche depuis tout à l'heure. Wow. Allez avec moi. Allez, Luc. Fume-le. Fumax. Et 5 éliminations. Allez, on va essayer d'aller au point de contrôle et le capturer. Ah, c'est pas possible. Allez, 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 faut que je me réveille. Ah, la carte, elle est sur le côté là. Petit cadeau. On va voir ce qu'on peut récupérer. Bon. On s'empare d'un point de contrôle. Mais c'est pas possible. Ah, lui qui s'est fait fumax. Bon, allez, 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 allez. Lucax. Il va falloir se réveiller, les gars, là. Hein. Rentrer là-dedans. Ouh, il m'a endormi. Il a snipe. Vivement que j'ai ça, moi, parce que là, avec mon peu d'armes que j'ai pour l'instant, je vais pas aller très loin. De toute façon, dans les prochains épisodes, je serai beaucoup plus équipé, les gars. Vous inquiétez pas pour ça. Ce sera beaucoup plus facile de se défendre comme ça, du coup. Parce que là je découvre hein, ça c'est Tatooine en fait cette planète hein. Un genre de Tatooine. Je connaissais même pas ici, on l'avait. Oh, on va éviter de mourir aussi. On va voir si j'ai moyen de prendre un vaisseau. Pour l'instant on perd comme vous pouvez le voir. Wow, mais tout le temps ils viennent derrière. Faut vraiment maîtriser ce jeu, hein, mais je vous le dis. Si vous ne maîtrisez pas, ça va être très compliqué de faire quelque chose de bien. On s'empare d'un point de contrôle. Bah, il l'a pris. Le commandant Skywalker va vous rejoindre. Allez, 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 je sais qu'ils sont là-bas, il y en a au moins là-bas là. Ça va nous.
passer. Le dernier point de contrôle sera bientôt à eux. Interceptez-les vite. Et on a perdu. Je suis désolé, les gars. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo découverte. Pas de quoi en faire un fromage, hein, faut le dire, les gars. Une vidéo tranquille. Vous inquiétez pas, il y aura l'émission que je vais faire avec vous. Et puis surtout, je vais beaucoup me développer pour vraiment vous présenter de très belles parties. Parce que là, avec le peu d'armes que j'ai, c'est très difficile de se défendre face à des mecs qui se butent, qui doivent être au niveau 40 ou même plus. Donc voilà, les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vient d'atteindre le niveau 3, les gars. Donc voilà, vraiment, on atteint le rang 3 très rapidement. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est un jeu tranquille. De toute façon, il faut que je découvre toutes les maps, hein, moi-même déjà pour commencer. Et vous faire passionnément découvrir tout cela. Vous inquiétez pas pour cela. Donc voilà, les gars. C'était le The Kinesixel. Au plaisir, comme toujours. Je suis un petit peu malade, hein, désolé pour ma voix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que je vous partage tout ça. Allez, peace-side. Mon Twitter, mon Facebook dans la description, comme toujours. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Que la force.